السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ميروسات ياسوس. اليوم ان شاء الله غنبغي نفير الكريم ديسير او شوكولا. دونك باش نديرو لا كريم تاعنا، انا بيزوان دو 1 دمي لتر حليب دو لي، 1 دمي لتر دو لي، اون كويير ا سوب بومبي دو كاكاو نوار امير، 3 كويير ا سوب دو سكر سمول، 2 كويير ا سوب دو مايزينا، 2 كويير بان كي دونك n'est pas bombé, donc à raser. Et on a besoin de crème fraîche, 20 centilitres. Et du chocolat noir, 100%. Voilà. Donc c'est pas 100%, mais c'est, je pense que c'est à 70%. Voilà. On a besoin des ramequins pour mettre notre crème dedans, crème au chocolat. Donc pour cela, on va verser notre lait. On y rajoute donc, le cacao, le sucre, le maïzena, il faut y aller doucement. On rajoute notre crème dessert. Pardon, notre crème fraîche. Et on rajoute notre chocolat. Donc on va la casser en petits morceaux. Comme ça, elle va fondre plus vite. Et je vais mettre tout ça sur feu doux. Donc là, j'ai allumé le feu moyen. Et on va mélanger jusqu'à épaississement de notre préparation. Donc, dès que vous voyez que votre mélange commence à s'épaissir, on éteint le feu. Là, j'ai augmenté un petit peu le feu. Et mon chocolat commence à fondre. N'hésitez pas à goûter de temps en temps si vous voulez. Si vous voyez que ça manque un peu de sucre ou c'est pas trop amer, bah, vous pouvez rajouter une petite quantité de sucre ou une petite quantité de cacao amer. Parce que les goûts, chacun a son goût, ça se discute pas. Donc chacun a son goût et il choisit son goût comme il veut. Donc soit il rajoute un peu de sucre, soit il rajoute un peu de cacao. Donc augmentez un petit peu le feu. Vous allez voir que ça va commencer à s'épaissir. Là, vous voyez. Il faut pas s'arrêter de mélanger. Du début à la fin, remuez et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Voilà.
Donc comme vous voyez là, on voit très bien qu'il s'est tapé ici. Voilà. Vous voyez là. On va retirer du feu et on va mélanger encore 5 minutes hors du feu. Là, on va serrer notre crème de sèvre. Comme ça, on évite cette couche qui se forme au contact de l'air. Vous voyez là. Voilà. Je vais prendre une passoire. Et vous allez voir. J'utilise la passoire parce que pour éviter les grumeaux, quand il y a la maïzena, il y a le cacao, il y a aussi le chocolat. Donc voilà notre crème d'essor, vous voyez. Donc je vais la décorer et après je vais la mettre au frais une heure ou deux, donc elle refroidit et prend sa forme. Voilà, donc je vais poudrer avec un petit peu d'amande. Vous pouvez décorer avec ce que vous avez à la maison. Ça va faire des amandes. Que vous avez sur la main. Voilà la préparation. Donc vous voyez, elle bouge pas beaucoup. D'ici une heure ou deux, on peut la déguster. Juste une chose, en fait, il faut couvrir avec un papier aluminium pour éviter que les gouttes d'eau se forment sur la surface. Et comme ça, la surface, elle va rester lisse. Voilà. Donc. Vous couvrez et vous laissez au frais. Dans quelques heures avant de les manger. Voilà, il reste qu'à mettre au frais. Avec la crème de la crème dessert. Donc on a toujours à peine que j'aime la texture. Voilà. Comme la couture faux. C'est une crème dessert. هادية مبنينة بس بارتيوها ومو على هذا نقولكم تبقى على خير الله يوفقكم الى لا بروشين فوا ان شاء الله.